professionnalisme, innovation, combativité, persévérance, foi et courage, voilà les critères qui ont milité en faveur de ces femmes artisanes de la commune de Glazoué. Elles ont été identifiées par l'ONG La Main de Dieu, une distinction qui vise à motiver les lauréates afin qu'elles maintiennent le cap. Au cours des années antérieures, nous organisons cette cérémonie pour honorer les femmes et fonctionnaires, les médecins, les avocates, les femmes commissaires. Mais cette année, nous nous sommes dit qu'il faut quand même organiser un événement pour penser aux femmes artisanes. Et nous avons lancé cette tournée de décoration le mercredi passé à Savalou. L'ONG La Main de Dieu est quelque part et nous observe toujours. Ils observent tous ceux-là qui sont dans leur coin et qui font des travaux qui les concernent. Et au grand jour, il les ressort pour les présenter au public, pour montrer ce qu'ils font. Disons merci à cette ONG par une grande acclamation. Les récipiendaires ont été touchés par cette marque de reconnaissance. Elles s'engagent à conserver leur laurier pour mériter d'autres distinctions. Chères dames, vous constituez un relais auprès de vos communautés pour l'atteinte des objectifs de votre commune dans vos travaux. En outre, la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes sont essentiellement pour la réalisation des objectifs de développement du bureau du collectif des artisans de la commune de Glazoué. Cela signifie qu'il faut promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes et des filles. Et sans vous mentir, vraiment, je suis très fière d'être ici honorée. Je travaille depuis 19 ans, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas un président qui s'est souvenu de nous comme lui. Donc Dieu le fortifie. Et je remercie aussi l'ONG La Main de Dieu pour avoir pensé à nous les artisans, surtout les femmes, pour ce jour. En dehors des critères de distinction, l'ONG La Main de Dieu a choisi le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, pour rendre hommage aux femmes dévouées du département des collines.